Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek. Ça a l'air super. Yeah. Yo tout le monde, c'est Sofiane le Geek. On se retrouve pour du Dragon Ball Legends en compagnie de Ludivine. Comment vas-tu? Ça va très bien. Coucou tout le monde. Coucou tout le monde, toujours le coucou tout le monde. Aujourd'hui, on va réagir à tous les élèves du jeu dans une seule et même vidéo. Vous savez, les fameux Legends Limited qui ont une attaque Legendary Finish. Eh bien, moi et Ludivine, on va regarder ça avec vous, tous les élèves du jeu. Et on va choisir celui que l'on préfère. Alors, dans cette vidéo, je vais faire une petite dédicace au frérot Sheertrim, car c'est lui qui m'a compilé tous les élèves du jeu en 16-9e. Donc là, vraiment, merci encore à Sheertrim, frérot. Merci à toi. Et puis, bah, dis-lui merci. Merci, Sheertrim. Dis encore merci. Non, mais c'est bon. Oh, bon, merci à Sheertrim, c'est gentil. On n'a pas le droit de dire. Allez, let's go, les amis. On va commencer avec le Freezer élève. Let's go. On commence. Donc là, face au Badak, en plus, tu vois, c'est ça qui est intéressant. Toujours le protagoniste face à l'antagoniste et tout, tu vois, c'est ça qui est vraiment sympa. Oh, avec elle était pas mal. Elle est vieille en plus, hein. Elle est vieille, cette animation, tu vois, et franchement, elle était déjà chouette pour l'époque. Elle est belle. Franchement, elle est courte quand même, comparée à les LF de maintenant. C'est vrai. Elle est sympa, franchement. C'est vrai. Mais par contre, c'est bien. Oh, alors là, le tag cyborg. Le tag cyborg, que je n'ai toujours pas, bien d'ailleurs. Celle-là, tu vois, là, franchement, on peut le dire. Et incroyable, elle est au-dessus du Freezer. Franchement, voilà. Non, mais là, elle est au-dessus. Oh là là, avec le Mirai Gohan. Oh, elle est magnifique. Magnifique. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Et les amis, n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire également et nous dire quel élève vous préférez. Là, pour le coup, je préfère quand même le LFC. Ouais, franchement. Alors, du coup, ça c'est. Ah oui, c'est quand c'est C18. Oui. D'accord, très bien. Donc là, quand c'est C18, hein, voilà. Ça change un petit peu. Ok. C'est vrai qu'elle est belle. Ouais, non, c'est stylé. Franchement, c'est vrai qu'elle est belle. C'est stylé. Voilà, l'attaque, elle est belle. Elle est sublime. Le Legendary Finish, il est vraiment sublime avec le tag. Très bien. Ah, oh bah alors. Admiré face à Chill. Non, j'avoue, il est beau celui-là. Badak, ouais. Il est grandiose. La démarche. Comme ça, la démarche. Sur le côté. Non, voilà, voilà. Y a que à admirer, en fait. Admirer. Temeda. Oh là là. Oh là 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 là. Ok, au-dessus. Au-dessus. Au-dessus du taxi cyborg. Au-dessus du taxi cyborg, au-dessus du freezer. Là, voilà. Franchement, sublime. Et le regard. Ah ouais. Ah, Kid Buu. Elle était pas mal aussi, la Kid Buu. L'animation du élève de Kid Buu, elle était vraiment, vraiment pas mal. J'avoue, ouais, c'était stylé. Oh là 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 là. Il est bien fait en plus, ce Kid Buu. Franchement, il est super sadique. Bien modélisé. Ouais. Bien sadique, regard et sourire de ouf. Et là, j'aime bien, il va se reconstituer. Ça, c'est fort. Ça, c'est pas mal, grave. Franchement. Comme dans l'animé, dans le manga, voilà. Et il est super bien fait. Avec le sourire et franchement. Ah, Freezer. Le Freezer. Mais la Badak était quand même mieux. Pour l'instant, de ce que j'ai vu, ouais, l'animation élève Badak, elle est au-dessus. De tout le monde pour le moment. Pas mal la Freezer aussi, là. Bim, 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 bim. Il enchaîne. Pouf. Oh là là. Ah, elle est belle. Ouais, non, elle est belle. Elle est belle aussi. Hein. Franchement, oh là là. Bah, Legendary Finish. Elle est belle, mais Badak est toujours dessus. Ouais, Badak est toujours dessus. Par contre, il est bien fait là, le Freezer. Virus. Virus. Il est vieux celui-là. Dans l'espace. Oh là là. Ouais. Là. Et c'est vrai que. Il est vieux, hein. Il est vieux. C'était le deuxième élève. Le tout premier élève, c'était Gohan SSJ2. C'est Zenkai, maintenant, type rouge. Et Beerus était déjà sorti bien avant, mais il n'avait pas le LF, ils ont rajouté le LF par la suite. Et du coup, voilà. Mais elle est pas... C'est pas ouf ici. C'est pas extraordinaire. On va pas se mentir. Ouais, ça... Ouais. Elle est rapide, celle-là. Très rapide, trop courte. Pour ma part, elle est trop courte. C'est ça, mais elle est quand même efficace. Mais c'est vrai, c'est vraiment très, très cool. C'est voilà, Ustai, il a fini. Je t'ai arraché, voilà. Oh, Gatai. Zamasu. Ok. Allez. Non, elle est belle aussi. Zamasu, il a... C'est un truc de fou. Ah, c'est pas mal. Il lui écrase bien la face avec son poing. Il lui écrase bien la face. Elle est longue. Hein. Oh là là. Elle est belle, franchement. Franchement, elle est belle. Oh, et là, voilà. J'avoue. Oh, le Jiren. Jiren Full Power. Ah, Jiren, c'est un animé. Prends les popcorn, prends une canette. On aurait dû prendre un. C'est un animé. Le LF, c'est un animé. Ah, mais elle est brute. Elle est brute. C'est vraiment, il arrache tout, quoi. Regarde-moi ça. C'est pas fini. Oh la vache. Non, mais non, c'est pas fini. C'est pas fini.
C'est un animé. T'as regardé un épisode, frère. Bah, j'avoue, elle est belle, mais bon. Ouais, c'est bon. Franchement, c'est stylé. Son Goku. Ça, j'aime bien. Sarabada. Ça, j'aime bien quand c'est Son Goku. Du coup, il dit le nom Son Goku. C'est l'un des points forts également du jeu Dragon Ball Legends. Les voix jappent et tout ça. Et le fait que les dialogues changent en fonction de l'interactivité des personnages. Pareil, le sel, c'est pas mal aussi. Le sel, c'est pas mon préféré. Moi, mais là, c'est moi. Pas mon préféré. Ouais, franchement. Jeu. Mais elle reste quand même stylée. De toute façon, on va pas se mentir, franchement. Voilà. Oh là là. Ouais, les lettres sont vraiment bien réussies. Mais. Sans plus pour ma part, d'accord. Franchement. Il est bien, mais voilà quoi. Je suis d'accord, oui, il est pas mal. Ouais, un petit problème au niveau de l'épaule. C'est déboîté l'épaule. Petit problème au niveau de l'épaule. En faisant le LF, il s'est déboîté l'épaule. Ah, c'était le Piccolo LF, Piccolo. Ça, ouais, avec le Makanko Sampo. Ouais. Ah, et ça, c'était stylé. Non, parce que, oui, c'est le stylé. Fait de voir Goku venir, c'était vraiment c'est sympa. C'est un clin d'œil à la scène, quoi, en fait. C'est vraiment la fameuse scène. C'est vrai. C'est vrai. Il se marre. C'était pas mal. La vérité, non. C'était quand même pas mal. Oh. Celle-là, elle était belle. Celle-là, elle est magnifique. C'était le tout premier élève et elle était belle. Pour ma part, là, elle dépasse tout ce qu'on a vu. Non. Pour ma part. Moi, mon avis. Ah si, elle est magnifique. Non, mais t'es sérieux, attends. Il est stylé de fou. C'est parce que t'es une fanboy de Gohan. Bah non, mais c'est stylé, elle est stylé. De fou. Comment il marchait Badak, tout comme ça. Reste au-dessus. La démarche de Badak était au-dessus. Ah. Il est très beau aussi, celui-là. Franchement, là, il peut dépasser le Gohan. Franchement, là, c'est magnifique. Avec la pose, après... Oh la vache, oh la 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 la. Ouais, 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 ouais. Franchement, non, et là, ah, là c'est vrai que là, c'est là, prochainement, c'est beau. La posture après, c'est beau là, là c'est beau. Avec le cling et le bruit. J'avoue, celle-là, elle est magnifique. Celle-là, j'arrive pas à me départager entre Badak et le Goku SSJ3 Ryuken. Même ce SSJ3 là également, hein, en Genki Dama là, le Genki Dama d'adieu face à Kid Buu. Non, c'est pas ma préférée, franchement. Ah, mais c'est quand même. C'est pas mon truc préféré, sinon. Oh là là. C'est stylé, Matana. Mais ouais. Oh là là. Matana. Bam. Non, je trouve que... Non, je préfère l'autre... Oui, oui. Ouais, l'autre Goku SSJ3. SSJ3, Ryuken. Elle est ouais. La posture est bien aussi. Ouais. Bon. Gauche, t'as 4. C'est stylé, ça. On va pas se mentir. C'est vrai. Ouf. Bam, coup de coude. T'as vu, c'est ce que je te fais. Bam. Je fais rien du tout, quoi. Toi, tu fais rien du tout. Ok. Uch. Non, elle est stylée. Ouf. Ok. Ouh là là. Ha. C'est pas mal, mais... Il manque un truc. Voilà. La vérité, il manque un truc. Non, voilà, c'est vrai, ouais. Franchement. Il est beau, hein, mais il manque un truc. Oh, alors attends, Goku, SSJ4, Ryuken. Attends. Point du dragon. Si j'utilise jamais ce perso. J'aime bien la posture quand il va ouvrir la gueule en grand. Là. Elle est magnifique. Ah, j'avoue, elle est brute, hein, elle celle-là. Est magnifique. Elle est magnifique. Ah, mais je m'en souvenais pas qu'il était aussi beau, celui-là. Parce qu'on n'a pas assez d'étoiles, on joue pas, tu bah vois, oui, on a deux, trois étoiles. Eh hey, mais il est beau, hein, celui-là. Il est beau. Ah, bah, le Broly. Ah, le Broly aussi, il était pas mal. Ouais. Le Broly aussi, il était pas mal. Comment il te chope la tête. Bon, c'est un animé. Il arrache tout. Oh là 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 là. J'avoue. C'est le film, en fait. J'avoue. Mais bon, il y a... Bon, voilà. C'est propre. Mais c'est pas le meilleur non plus, quand même. C'est pas le meilleur. Oh. Celle-là, elle était pas mal. Hein. Ouais. Si mes souvenirs Vegeta sont bons... Il est beau, celui-là. Vegeta Blue. Evo, il est très, très beau, celui-là. Il était vraiment pas mal. J'aimais bien, là, les plans de caméra, tu vois, qu'il change de profil, enfin, de face, de profil, tout ça. C'est ça qui est intéressant. Oui, moi, ce que j'aime bien... Voilà. Moi, j'aime bien, dans les LF de Dragon Ball Legends, les plans de caméra qui changent. Et surtout quand il y a des espèces de plans en panoramique ou quoi, alors là c'est magnifique. Ah c'est stylé en fait, ils se remettent comme ça et tout, ouais. C'était pas mal. Même le Gogeta Blue il était bien. Blue, ouais. Le Kamehameha qu'il va faire, c'est quelque chose. Hein. Ouais c'est bon. Oh. Bah, comme dans l'animé, ouais, franchement. Ah c'est stylé. Et là la posture. Oh là. Incroyable. Ah. Incroyable. Ah. Incroyable. On est quand même sur un... LF magnifique là. Tu mets le Broly et le Gogeta Blue, en fait c'est l'animé quoi. Ah non mais clairement c'est le film. Tu franchement, regardes le film. Ah. Là, admirez. J'avoue il est beau. Admirez. S'il vous plaît, admirez. Le tag. Regardez les plans de caméra, les mouvements. Bim, bim, bim. On change de plan de caméra encore. On rechange de plan de caméra. Dézoom. Non. Ils soient tous les deux aussi. Ils sont tous les deux. Il y a Goku. Pour Vegeta, moi c'est celui-là qui arrache tout. Voilà, regardez la modélisation, les postures, tout ça. Pour moi, c'est celui qui arrache tout. Ouais, c'est voilà. Bon. C'est je, bon. Voilà. Là, c'est et là, regardez, c'est voilà, là, c'est quand c'est Vegeta. Franchement, admirez. Tu vois, les zooms, les dézooms, oui. Les mouvements de caméra,
Tu vois, oh là 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 là, non. Il est magnifique, les gars. Moi, pour moi, c'est vraiment mon coup de cœur. Voilà, quand ils sont tous les deux, ouais. Franchement, c'est stylé. Non, franchement, c'est mon coup de cœur, les gars. Celui-là, il est beaucoup trop masterclass. Vraiment. Là, j'aime bien, moi aussi, celui-là. C'est vrai qu'il est bien, ouais. Il y en a trop que j'aime bien. Regarde, attends. C'est vrai que le Vegeta Blue LF, type vert, il était pas mal aussi. Et franchement, c'était spectaculaire, en fait. C'était spectaculaire, le fait de voir plein de patates comme dans l'animé, c'est vraiment spectaculaire. Oh, mon Vegeta Blue, ouais, il est beau. Oh, il est beau, celui-là aussi, il était beau. Mais je sais pas, ils sont tous beaux. Et là, c'est la patate qui va être impressionnante. Oh là là. Boum. Là, bam. Là, il arrache tout, là. Et moi, ce que j'aime bien, c'est le dash arrière, après, là. Là, le petit dash arrière. Ouais. Hop, il glisse. Trop fort, ouais. Trop fort. Tu vois, mais en fait, dès qu'il y a des plans de caméra qui bougent ou quoi, et des dash et tout. Même la posture, ouais. Après, comme ça, est stylé, ouais, je trouve. Franchement, très, très propre. Mirai Gohan, pareil. Ouais, le Mirai Gohan, moi, je trouve pas ça ouf. C'est, après, c'est mon avis. Ah, c'est bien les petits flips arrière et tout. Mais il y a mieux, oui, c'est vrai qu'il y a mieux. Quand tu vois le Goku Blue, Tag, Vegeta Blue, LF qu'on a vu. Bah oui, ça passe au-dessus. Hein. Franchement, ouais. Non, je le trouve pas impressionnant, en fait, celui-là. Ouais, c'est... Voilà. Ok. Oh, oh là là, ça, hey, j'aime bien les flashs noir et blanc. Ouais. C'est ça qui est fort. Comme dans la nuit, enfin comme dans le film. Bon, alors, tu vois, en effet négatif, le contraste noir et blanc, c'est très bien travaillé, ça. Moi, je kiffe quand ils font ça, Dragon Ball Legends. Et après, ils tombent. C'est, ouais, après, ils tombent, tu vois. Ouais, c'était le Goten du film... Le Goten, je m'en souviens plus. Le retour de Broly, jamais, tu vois. Ah oui, ouais. Ouais, ouais. Ça aurait été plus intéressant, tu vois, j'aime bien la scène finale. Ouais. Ça aurait été plus intéressant de voir un peu plus près Goku, Gohan et Vegeta, leur visage. Pendant, ouais. Et en train de se vénère durant le Kamehameha. Ça aurait été plus intéressant. Ah. Bah, bon, c'est la faux. Il était bien travaillé, lui. Oh, franchement, il est super bien réalisé également, celui-là. Oh, franchement. Avec la faux, ouais. C'est vrai que celui-là aussi, il est beau. C'est l'effet de la faux, en fait. Oh. il est beau, il est beau. Oh, celui-là, il est magnifique. Regardez, franchement. Non, j'avoue, c'est vrai que celui-là aussi. Hein. Ah, il est magnifique, le Trunks. Vous voyez, les plans de caméra, ça zoome. Pam, oh là là, il découpe la lueur. Oh là, oh là. Il va dans les airs, plan de caméra, zoom sur le visage, on revient en arrière. Il est magnifique. Oh là là là. Oh là là, il va découper. Vous voyez, les plans, ils changent. Ouais. Et là, on va se mettre voilà, devant, et après de dos. Après, on recule encore. Magnifique. Oh, il est magnifique. Magnifique. Franchement, le Trunks, il est trop beau. C'est vrai qu'il est beau. C'est vrai qu'il est beau. Oh la vache. C'est vrai qu'il est beau. Ah. Begito, Begito d'un. Okay. Il est stylé celui-là, c'est vrai qu'il est beau. Ouais, mais c'est... Begito, il est classe. C'est une attaque qui n'existe pas en fait dans le manga celle-là. Celle-là quand il a les deux lames et tout, ça n'existe pas, mais... Ouais, mais c'est beau. Elle est bien même. Réalisée, mais... C'est beau. Ça me chagrine un petit peu, tu vois, de voir un truc comme ça. Normalement, il a juste une lame. Il a jamais fait deux lames comme ça, mais bon. Oh. Celle-là aussi, là c'est là. Un animé. Hein. Ah ouais, non, celle-là aussi... elle est belle. Elle est belle. Celle-là aussi, c'est un épisode, installez-vous. Hein. Oh là là. Il a bien travaillé. Ouais, franchement, oh là là. Franchement, c'est un truc de fou. Il court. Bah, il a la patate. Bah, la fameuse patate. Ouais, la fameuse patate. Le gros plan sur, sur le visage et tout. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là là là. C'est un animé. Quand il te fait l'ULF, là, t'as mal. Voilà. Voilà, vous venez de voir un épisode, c'est incroyable. Non, il est on ressent la puissance. Il est beau le Mégaté comme ça. Franchement, ouais, le Mégaté aussi, ouais, il est beau. Mégaté très très. Mégaté pas maîtrisé. Mégaté non maîtrisé. Mégaté non Goku. Il était bien aussi celui-là. Ouais. J'aime bien la lueur autour du perso. Lueur un peu blanchâtre. Oh là là. Tu vois, le zoom dans les yeux. Là, les petits pas sur le côté, ça fait stylé ça. C'est par ça. Contre. Et là, bam, dans ta face. Et là, bam. Trois plans de caméra différents. Magnifique. Ouais, il est beau lui aussi. Trois plans de caméra différents pour bien faire ressentir l'impact du caméra. Oh, et le regard. Et la tête un peu penchée, le regard. Lozaru. Lozaru, ouais. Lozaru aussi, qui était vraiment très très stylé. Oh là là. Oh, elle est magnifique. Oh là là. C'est vrai qu'il est beau. C'est vrai qu'il est magnifique. Oh, oh. J'avoue, il est beau. Franchement, il est sublime. Franchement, c'est vrai qu'il est sublime. C'est vrai qu'il est sublime. Franchement, il est sublime. Ouais, il est beau celui-là. Franchement, hey, j'en veux plus moi des autres angles, j'en veux encore. Ah franchement, ouais. Je veux des LF autres angles. Oh, le Majin Vegeta, alors Majin celui-là, Vegeta. Il était vraiment
super bien réalisé également. Franchement, il est vraiment beau. Oh, oh là là. Oh la pause. Oh là 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 là. Et après, il va finir en cendres. Sacrifice. En cendres. Oh là 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 là. Et voilà, là, du coup, ça revient au début. Bon, les gars, franchement, moi, c'était le. Toi, voilà. C'est qui alors ton préféré? Moi, voilà, franchement, c'est celui-là. Je m'en doutais. Franchement, les gars, pour moi, c'est le tag Goku Blue, Vegeta Blue. Je le remets. Bim. Ça dézoome. Ouais, j'avais des styles. Les mouvements. Je peux pas dire le contraire. La caméra qui fait des rotations. Regardez, hop, hop. Elle revient, ça zoome. Ça redézoome. Ça zoome sur le perso. Non, j'avoue, c'est beau. Magnifique. Pour moi, c'est celui-là. Pour ma part, moi, du coup, je choisis le Trunks. Le Trunks. Ah ouais, franchement, le Trunks, pour moi, je trouve qu'il a un truc en plus. C'est vrai qu'il était beau, le Trunks. Ah, il est magnifique. Regardez, attendez. Non, non, non. C'est travaillé de fou. C'est vrai. Il est magnifique. Ish, ish. Voilà, j'ai la petite préférence pour le Trunks. C'est vrai que le Trunks, il est beau. Franchement, il est beau. Tac, il coupe et tout. J'aime bien, ouais, franchement. Oh là là. La Genki Sword, l'épée Genki Dama. Non, il est magnifique, Trunks. Ah, franchement, c'est vrai que... Le choix est dur, mais moi, mon choix, c'est Trunks. Non, c'est vrai. Regarde. Oh la vache. Oh la vache. Oh la vache. Non, franchement, c'est beau. Il est beau, il est beau, il est beau. Franchement, ouais. Mon Trunks, il est magnifique. Non, j'avoue, il est beau. Après, moi, voilà, il n'y aurait pas eu le tag de Goku Blue, Vegeta Blue. Je pense que ça s'orientait peut-être plus vers Badak. Franchement, le Badak Transfo SSJ à la fin du LF était vraiment bien, lui, hein. Bien stylé. Ouais. Donc, ok, toi, c'est le Trunks. Moi, c'est Goku Blue, tag Vegeta Blue, LF. Les amis, je suis super content d'avoir fait cette vidéo avec vous. Réaction sur les LF, ça permet un petit peu de voir finalement tout de même le travail qui est apporté en termes de fidélité autour du jeu Dragon Ball Legends. Et pour le coup, c'est super fidèle. Franchement, on peut dire ce qu'on veut, c'est super fidèle. Et je trouve que justement, on voit bien l'évolution des LF aussi. C'est ça, ouais, l'évolution également. Il y a une très belle évolution au niveau des LF. On se rend compte que maintenant, LF, c'est un épisode. C'est ça. Évolution au niveau du temps. Donc voilà les amis, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager également pour montrer tous les élèves du jeu à vos proches, vos amis, etc. N'hésitez pas également à nous dire quel est votre élève préféré. Alors pas de bagarre, il n'y a pas besoin de dire non, lui il est pourri, non, lui machin. Chacun a son élève préféré, les goûts et les couleurs sont différents de chacun. Max de pouces bleus, abonnez-vous également à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao. Ciao tout le monde. Mettez des petits pouces bleus, mes chevaliers, pour soutenir la chaîne de Sofiane le Geek.